Mizuki. Ah, ma caméra a bougé. Comment vous allez? Ça fait trop longtemps. Comment Laura? Comment Amandine? Ok, ben elle revient, ma Amandine. Ça y est, tout est fini. Ah, on fait déménager. On a rendu les clés hier. Bon, il y a des travaux encore à la maison, mais au moins on est chez nous. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, ça devrait être bon. Pardon. Comment tu vas, Malora? Hop, mettre la musique. Suis nickel. Qu'est-ce que tu fais là? Mais il va se coincer. Mais Pito, non, va pas dessus. Je m'en doutais qu'il allait faire des conneries. Descends. Descends de là. Allez. Il est carrément sur le plafond, il est fou, lui. Allez, descends. J'espère qu'il va rien casser. On va croiser les doigts. Parce que bon, on est en plein travaux, du coup. Et là, pour le moment, je suis dans mon salon, j'ai pas encore ma salle. Qu'est-ce qu'il regarde? Il y a des gros yeux là. Il flippe. Mon bébé. Sinon, vous quoi de beau? J'espère que ça a été. N'hésitez pas à me dire si la musique elle est trop forte ou pas assez forte. Oh merci Dino! C'est une illusion, c'est pas. Merci beaucoup, comment tu vas? Alors, avant de faire le nouveau défi, je vais vous faire montrer ceux qui ont participé.
Du coup, en colo et en dessin. Ah, vous avez mon petit Totoro qui est juste là. Ah oui, il était tout en caché, mais attends, il est là. Et mon chat, ben, il est au plafond. Bouge de là. Et va pas tout casser. Hein. Bouge, Pito, s'il te plaît. Oh, attendez, j'arrive. Comment t'as fait pour monter là? Et voilà le petit foufou qui était au plafond. Je sais pas comment il a fait pour y aller. Tu pues, va pas en haut. C'est plein de poussière, bébé. Ah, il m'a fait mal en plus. T'es méchant! Oui, t'es méchant! Je suis au fond de. Ah, c'est trop bien ça! Bah, j'espère que t'as passé des bonnes vacances, Dino! Laisse tomber, il était carrément. En fait, on va. On va raccourcir le plafond, du coup ils ont mis des planches. Et monsieur il s'amuse à aller au-dessus des planches, c'est pas bien. Après il y a un peu peur, tant qu'il s'habitue, mais on fait encore du bruit pour les travaux, du coup. Puis là, avant on était dans un endroit où à cul-de-sac. Du coup, il n'y avait pas de passage ni rien. Et puis là, vu qu'on est dans une rue, mais il y a plein de gens qui passent et il n'y a pas l'habitude. Du coup, j'espère qu'il va vite s'habituer quand même. Hop. Bah, on commence par quoi? Et par si sa passion du dessin ou du colo? Vraiment, Andine. Regarde, et toi, il fait des bêtises. Hé, hey, coucou Agaro, comment tu vas? Il s'amuse à grimper au plafond, ce babache. Le plafond, il est pas encore fait, mais tu vois, il y a les trucs en bois, il s'amuse à grimper dessus. Du coup, il est tout sale. Pff, te jure. Il veut explorer. Je crois qu'il a plus peur, il y a les gros yeux là de. De Kiyou là. Alors doudou. Je le prenais pour pas qu'il tombe, mais il s'accrochait comme ça sur le truc, il est pas bien. Tu vas pas, hein? Je veux qu'il regarde. Non, non. Hein. Fatigué, mais ça va. Ça va, ça va. Au moins, là maintenant, on est sur place, on a pu faire des va-et-vient. Pouf. En 2 semaines, là, c'était AU. Et toi, comment tu vas? Bah écoute, c'est un peu le bordel, mais bon. Pour l'instant, je stream encore dans mon salon. Bah, parce que ça va être mon futur salon, pour le moment, c'est un peu le bordel. Ouais, bah ouais, voilà, il faut laisser du temps. Mais je veux pas qu'il... Parce que ça amuse, en fait, à enlever le plâtre. C'est pas évident de faire des travaux avec des bébêtes. Bah, Totoro il gêne pas, il reste dans sa cage, mais Pito il se balade partout. Ah, t'as encore mangé quelque chose de pas bon? Bah,
Bah, je veux dire de trop gras. Bah ouais, ça avance. C'est pour ça, bah, je préfère pas prendre les photos tout de suite. Je prendrai vraiment des photos avant et après quand c'est terminé. Ah mince. Bah ça va mieux, j'espère. Alors, du coup, on va passer. Hop. À vos participations. On va commencer du coup par le dessin. Alors, le août, juillet. Ah, il y a celui de Laura. Oups, attends, je vais mettre en grand. Qui a fait un bel arc-en-ciel. Yes, un starry. C'est quoi que t'as mis à... Oh, j'ai même pas vu. Que t'as mis à côté du starry, là. Une belle petite tente d'Astari qui campe. Il est tout chou. J'ai oublié le verre. Non, il est là, Gan. C'est un prout. Coucou, Fling. Comment tu vas? Non, il est là, le gars. Il est juste après le jeune, le verre. Mais là, je sais pas, t'as écrit un petit truc en... On dirait en coréen. En tout cas, merci pour ta participation, il est trop chou. Ah, ok. Oh, super. Oh, tu devrais plus le mettre vers le bas. Bon, on peut mieux le voir. Et coucou ma Stitch, ça va et toi? Et après, bah du coup, bah, le mien par contre, j'ai oublié de mettre le blanc autour des branchies de l'axolotl rose. Ah, coucou ma May! Comment tu vas? Voilà, j'ai juste commencé à faire montrer les participations. M'a montré, pardon, les participations. Du coup, on avait celui-là de Laura. Et là, bah, on passe au mien que j'avais fait en live avec vous. Mais vous l'avez pas vu fini, je pense. Ah, il m'a fait trop mal. Et il y a Pito qui avait des bêtises. Merde, tu vois pas du coup. Attends, je vous le montrerai après. Il s'amuse à grimper au mur. Sur les branches. Je suis quand même désaffectée parce que ça pique. Bah ouais, il a peur. Comme je disais, on était dans un cul-de-sac avant et il n'y avait pas beaucoup de passages. Que là, quand on est dans une rue, il y a beaucoup de passages. Du coup, il faut qu'il s'habitue aux gens en fait. Et après, du coup, il y a celui-là d'Ondine qui est vraiment trop, trop beau. Il est. T'as GG, franchement, il est magnifique. J'ai hâte de reprendre la gouache et tout. Tu déménages quand? Bah j'ai fini, je suis arrivée à ma nouvelle maison, c'est bon, ça y est. Ça y est, ça y est, on a rendu les clés de l'ancienne hier et ça y est, on a la maison. On dîne à la plage, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Au moins, là, il y a encore peur des klaxons, des gens qui sortent, qui parlent, il flippe, là, il est reparti sous les draps, je crois. Mais bon, il va s'habituer, je pense. Ouais, du coup, bah, pour le moment, il y a mon Totoro et tout derrière. C'est encore un peu le bordel, mais vivement que j'ai ma salle. J'ai hâte de tout décorer et tout avec mes nounours, les dessins que vous m'avez fait, tout ça. Ça va être trop bien. Bah, voilà, pour les dessins, j'ai eu trois participations. Du coup, Laura, deux. Laura, bah, Laura, moi et Ondine. Du coup, merci pour vos dessins, les filles. Ils sont trop jolis. Et du coup, maintenant, on va passer au colo. Hop. Du coup, il y a celui-là d'Aurore. Il est trop mignon.
J'adore le fond. J'avais jamais pensé faire une couleur comme ça, mais ça fait trop beau. Ça fait un peu, ouais, un bordeaux avec un peu de couleur peau pêche au jaune, ça fait trop beau. Franchement, j'adore. Merci en tout cas, Aurore, pour ta participation. Il est trop beau. Oh, celui-là. Bah, celui-là, c'est celui-là de Caro. Ah, de Riders. Franchement, il est trop beau, j'adore. Lilu, déjà, elle est trop belle. Du coup, ouais, là, c'est passé. C'était au feutre à alcool et dégradé crayon de couleur. C'est ça, hein, Riders. Puis t'as bien géré, je trouve, la peau noire de la fifi, là. J'aime bien. Trois peaux différentes là, franchement, il est super beau. Après, il y a des passages que j'aime pas. C'est-à-dire... Faut le bordel en haut, mon bébé. C'est quoi que tu aimes pas? Sur la vitre. Ah, parce que t'as passé par... Bof, je trouve pas dérangeant. Je le trouve joli, moi. En tout cas, merci pour ta participation. Ah, celui-là, c'est celui-là de Laura. Ah, de Rafi, du coup. Il est trop beau. Franchement, tu commences à bien gérer les dégradés. Hein. Ça aide beaucoup les vitraux à dégrader, je trouve. GG à toi et merci pour ta participation, Malora. Pour moi, ça restera toujours Malora. J'étais trop habituée à Laura, du coup. Ouais, franchement, j'adore les. T'as bien fait faire. Moi, je fais toujours ça aux cheveux tout noirs. Je fais des reflets bleus. Je trouve que ça fait trop magnifique. Ouais, il y a beaucoup de progrès depuis. Bah quoi, depuis un an, je crois que t'es dans le colo maintenant, Laura. Franchement, GG à toi. Merci pour ta participation. Celui-là, lui, c'est celui-là de Mai. Mai, je sais pas comment ça se dit. Mai. Il est tout chou aussi. Ben, je crois que je l'ai fait aussi, celui-là. Le style Animal Crossing, le petit livre, là, il est trop chou. Avec les petites bouées. Franchement, il est trop beau. Il est trop mignon. Merci pour ta participation, Maï. Il est trop chou. Oh, celui-là. Celui-là, je l'adore. Bah, du coup, c'est Maïli qui l'a réalisé tout au crayon de couleur. Il est trop beau. Il est fou. Bah, c'est une illustration du coup de Apple. Et franchement, j'adore. Ouais, c'est une tuerie, franchement, ouais, il est trop beau. Et en plus, ça fait pas longtemps qu'elle a commencé le colo. Hein. Je crois que ça fait quelques mois, je crois que t'as commencé, Maïli. Et tu sais, j'ai bien les dégradés, les mélanges de couleurs et tout, franchement. Rien à dire. Il est magnifique. En tout cas, merci pour ta participation. Oui, c'est mon troisième colo, ouais, j'avoue. Franchement, GG. Déjà, même le premier était beau. Je crois que c'était un duo qu'on avait fait à deux, le premier. Avec la petite archère. En tout cas, merci à toi. J'ai froid. De quoi t'as froid? Bah, réchauffe-toi, ma rondinette. Suivant. Bah, du coup, celui-là, c'est le mien. Je crois que j'en ai fait trois pour ma mission. Ouais, franchement, ouais, c'était parfait, parfait. Ça me pique, hein. Ça m'a bien fait mal. Méchant doudou. Moi, bah, j'ai essayé de faire un petit effet herbe. Bon, ça passe. Bah, après, c'est les petits, tu vois, les petits ronds, j'en ai fait deux. Et après, j'ai fait mon grand dans la même édition que Melly, elle a fait.
Du coup, j'ai fait celui-là aussi, du coup, dans le petit livre Animal Crossing. Bisous magiques. Oui, les bisous magiques. Ceux-là, j'utilise avec les collines. Je les adore. Et les fonds, ils vont tout seuls, quoi. Les cheveux rouges, bah je crois que c'est toi qui as choisi les cheveux, non? Je sais plus. En tout cas, j'aime bien. GG à toi, Nufi, merci. La meuf, elle se fait des compliments. Et celui-là, c'est mon kiff-kiff. J'avais commencé en fait avec les chromaflots et les collines, et après, j'ai reçu du coup. Les Color Soft, et j'ai tout fait le reste au Color Soft. Et franchement, je suis fier du résultat, il est trop beau. J'adore ces illustrations, ils sont trop magnifiques. Mais si! Bah là, ouais, j'avais mélangé des couleurs pour faire le sable et franchement, j'adore. Mais si les filles. Mais si mes chouquis d'amour. Bah voilà. On a fini pour les participations. Du coup, vous êtes prêts pour le nouveau défi? Et merci encore. Attends, je vais être. Nope. Ouais, on est prête. Alors, j'avais envie du coup de l'autre cette année de septembre à août, vous faire un petit thème sur les pierres précieuses. Il y a des pierres précieuses chaque mois. Du coup, j'avais pensé de faire ça, mais je savais pas encore comment et j'ai trouvé. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, pour le mois de septembre, du coup, c'est la pierre précieuse saphir. Du coup, saphir, c'est à peu près du bleu. Du coup, c'est du bleu foncé. Du coup, il faudra soit faire un dessin et un colo, c'est toujours pareil. Que le bleu foncé soit dominant du colo. Je vais vous montrer des petits exemples. De septembre à octobre à août. Et non, les pierres précieuses, je fais de septembre à août. Je veux dire, il y a pierre précieuse septembre, il y a pierre précieuse octobre, il y a pierre précieuse novembre, etc. jusqu'au mois d'août. Du coup, là, jusqu'au mois d'août, tous les mois, vous aurez une pierre précieuse, du coup, pour faire le colo. C'est pas grave, t'inquiète. T'inquiète pas, t'as bien fait demander, comme ça, au moins. Comme là, du coup, bah, moi, je vais faire celui-là. Là, il y a le modèle juste à côté. Vous voyez, tout, vu que c'est pratiquement tout du bleu, bah, le ciel est bleu foncé déjà, même les montagnes sont un peu bleues, c'est nickel. Peut participer, mais en couture. Ah bah ouais, carrément. Tu pourrais mettre ça dans... Ah ouais, c'est vrai, ce que j'ai... Aïe, ah, je me suis fait mal. J'ai mis mission dessin et mission colo. Je pourrais mettre. Ouais, il est vraiment beau ce colo. Hein. J'espère que je vais le réussir. Ah ouais, bah oui. Bah ouais, pas bête, mais je vais marquer mission dessin et autres. Du coup, dans le Didi, t'as le Didi, Dino, ou pas? Oh, mission création. Ouais, mais toi, de ma page, ça va me faire mission dessin plus colo plus création. Où je marque colo plus création. Bah, je vais le rechanger après du coup. Il faut pas que j'oublie. Attends. Écoutez, je vais le faire de suite comme ça, moi je vais pas oublier. Du coup, maintenant la mission dessin, je vais faire mission création. Comme ça, si des fois vous voulez participer et que le thème vous inspire, vous pourrez mettre du coup dans mission création. Donc création, dessin et tout, c'est pareil. Création. Voilà.
faut que je trouve un petit une petite icône pour la création. Bon, je peux mettre un. Je pourrais mettre quoi comme petite icône pour la création? Je sais pas du tout. C'est bon, j'ai. Ah, super. Non, dessin et autres, c'est bien. Ah, je marque mission, dessin et autres. Ok. Un tableau de ciseaux. Alors, il y a. Tableau, je crois que j'avais déjà mis. On va laisser comme ça. Pour le moment, je verrai bien. Alors, je marquais. Du coup. Mission. Mais non, mission dessin. Maintenant, je voudrais mettre un plus, pas un espace. Plus. Ah, je peux pas mettre de plus. Mission dessin, création. Voilà. Voilà, comme ça, tout, hein, tout ce que vous voulez, le crochet, bon, la gouache, la couture, tout ce que vous voulez. Un marteau. Ouais, voilà, du coup, moi c'est celui-là que je vais faire. Et par contre, j'ai pris que les colos qu'ils étaient sortis parce qu'ils sont encore tout dans mes cartons. Pour éviter de tout défaire parce que bah, ça va me refaire mettre dans les cartons dès que j'aurai ma salle, c'est un peu chiant. Aïe, je me suis coincée. Du coup, on va essayer de trouver des exemples. Si par exemple, vous voulez faire dans celui-là. Alors, on va essayer de trouver un modèle. Pareil, Loïc. Hop, vous faites tout le fond bleu foncé. Ça passe. Vu que le ciel est plus grand que le dessin. Lui, c'est pareil. Toutes les fleurs, vous la faites bleue. Les petites fleurs. Mais après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même bleu, hein. Tant que ça reste les bleus foncés, il y a quand même pas mal de choix dans certaines gammes. Dans certaines gammes. Là, pareil aussi avec les oiseaux. Après, n'hésitez pas si vous avez un colo et que vous n'êtes pas sûr. Ah, puis toi, il vient ramener sa flouze. Faut faire des nuances de bleu foncé. C'est-à-dire des nuances. Comme là aussi. Là, vu que les tournesols, ils sont. Il n'y a que ça sur le colo. Sont dominants, bah, on fait tout par exemple un dégradé de bleu indigo à bleu foncé. Tu pues la poussière, t'es tout noir, t'as été où? Allez, il faut montrer son petit cul, hein. Il nous a manqué aussi, hein. Après, vous pouvez même vous amuser à faire des hérissons bleus. Hein. Un pitot d'amour, regarde ce qu'il m'a fait, pitot d'amour. non. Là, après, il n'y a plus trop. Aïe, aïe. Il va trouver le colo. Ah, trop bien. C'est bien si ça vous inspire. Bon, là, on va dire pareil aussi. Hein. Vous pouvez faire un ciel foncé. Par exemple, un nuit. Et là, le champignon, vous pouvez le faire bleu. Je sais pas comment.
Ouais, genre de bleu un peu plus clair que le ciel. Ça m'inspire beaucoup, tant mieux. Je l'envoie pour être sûr. Ok, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Ouais, là pour l'instant j'ai qu'un Kirby. Là c'est pareil. Regarde le feu d'artifice. Tout le fond, c'est la nuit du coup. Après vous mettez des petites touches de bleu foncé dans les vêtements. Sinon ça serait un Animal Crossing. Ouais, je crois que j'en ai vu aussi du coup dans les Animal Crossing, mais j'ai pas le livre. C'est chiant. On devait faire ça aussi ensemble. Moi, je crois que je vais faire un petit live vendredi matin. Et on commencera celui-là. Ah, par contre, il faut que je trouve mes feutres à alcool. J'avais fait, mais j'aime pas. Attention, j'ai déjà pas beaucoup de place. Bah celui-là, c'est pour moi faire avec vous après. Vous mettre là pour en attendant. Alors celui-là, est-ce qu'on pourrait trouver un truc? Là après, ouais, vous pouvez faire aussi l'eau foncée. Vous faites ses cheveux bleus, les yeux bleus. En fait, il faut quand même qu'il y ait pas mal. Il faut que le bleu foncé soit dominant dans votre couleur. Même gars, si vous voulez faire un petit colo, là, pareil. Ouais, ok, il n'y a pas de soucis, Malora. On sait bien si ça vous inspire. Là, c'est pareil. Vous pouvez faire un fond tout nuit. Ça passe, hein. Au début, j'avais peur, mais bon, hein, il faut se lancer. Hop. Après, je sais pas s'il nous aura dans le monde fragile. Bah si, là, regarde, il passe nickel, lui aussi. Vous faites un... Bah, l'eau. Tout l'eau foncée. C'est-à-dire un ciel nuit, mais vu qu'il y a des mouettes, les oiseaux ils volent pas la nuit. Mais comme là, tu vois, celui-là, il passerait quoi. Vous n'êtes pas obligé de faire tout bleu foncé, hein. Comme là, vous voyez, on avait fait du bleu foncé ici. Après, bah là, la glace. Mais ouais, tu caches. Ouais, j'avoue, tu peux cacher les mouettes, ouais. J'avoue, tu fais un fond tout sombre pour la nuit. Et là, tu vois, ça passerait nickel dans le thème, vu que la couleur bleu foncé est dominante à l'illustration. C'est pareil, si vous avez la loutre, bah, vous faites un ciel nuit nuageux, en fait. Ça peut être joli aussi à faire. Je suis en train de fermer mon petit trio qu'il faudrait que je reprenne parce que. Bah là aussi, regardez. J'avais fait un ciel tout bleu foncé. Hop. Alors, on va essayer si des fois vous voulez. J'ai fait des personnages, je l'ai quand même pris. Bah, j'aurais un peu du mal, mais on va regarder ensemble comme ça. Faudrait peut-être prendre.
pas. Ça va être un peu plus chaud sur les portraits, je pense. Après, ouais, vous pouvez faire comme là, on fait ses cheveux bleus. Il y a un fond peut-être un petit peu plus foncé, ses habits un peu plus, un peu un... J'ai pas pris un nuancier, attends. Ah, j'ai mes nuanciers de mes couleurs soft, mais bon. Vous voyez déjà tous les tons de bleu là en dessous, vous pouvez l'utiliser. Vous voyez? Et du coup, voilà, il y a quand même pas mal de bleu, je trouve, dans plusieurs gammes différentes. Je crois que j'ai trouvé mon colo. Encore un double page qui revient. Bah, tu dis ça, mais t'aimes bien. Ah, celui-là est très joli avec le petit chat, j'adore. Je vais me prendre ce. Ouais, celui-là est trop beau. Je l'adore. Parce que déjà le bleu foncé m'inspire plus déjà la nuit. Comme là, bah, y a des étoiles. Vous faites tout le fond bleu foncé. Et ça passe. C'est celui-là, je vais trop le faire. Je sais pas si je vais le faire avec vous ou pas, on verra bien. Mais je vais essayer de me réaliser dessus, mais du coup avec des cheveux violets, tout ça. Hein. C'est dans le mytho légende encore. Ah, je l'ai pas encore celui-là. C'est une fille. Ouais, c'est... Jeux, sushis, des bobos. C'est ça que j'aimerais bien goûter. Peut-être trop bon. Mon petit casque. Bah, les colliers là, à ras de cou, je suis pas fan, mais bon. Ouais, des onigiri. Vous voulez que je fasse en live celui-là? Bah, ce sera dans un moment parce qu'on a encore. Du coup, celui-là à l'alcool. On fêtera alcool. Celui-là que bah, Laura a choisi la dernière fois. Et après, bah, du coup, celui-là. Ok, on va en manger en septembre. On va les faire? Oh, c'est trop marrant. Là aussi, vu qu'il y a des comètes et tout, on peut faire du bleu, un ciel un peu nuit derrière, et puis faire des petites touches de bleu partout. Et après, j'ai suis là aussi, du coup, je vais regarder si ça m'inspire pour vous aider. J'ai trop hâte de voir vos colos que vous avez choisi du coup. Après là, une bêtise, hein, si vous voulez vraiment faire des personnages comme ça. Par exemple, tous les meubles, vous voulez faire en bleu. Et les tiroirs, je sais pas, une autre couleur en rose ou un truc comme ça. Ah bah ça c'est... Bah tu l'as annoncé ton nouveau thème, Laura, ou pas? On va aller dans une boulangerie. Oh. Ah, trop bien. Bah ouais, une prochaine fois, t'inquiète pas.
Ah bah du coup, bah, moi je vais faire celui-là pour Laura. Tu l'as mis jusqu'au combien? J'espère que j'aurai le temps. J'ai encore celui d'horreur aussi à faire. Non, demain matin. Ah, ok. Non, moi je le sens en avant, c'est pas bien. C'est encore un petit duo avec Mamélie. Bon, là j'ai pas vraiment d'aspiration au bleu foncé. Voilà. Oh bah ça, j'aurai un peu le temps. Vous avez un peu compris le système, c'est bon pour vous? Ouais, du coup, on doit faire, je dois faire celui-là en live avec vous. Après, Laura, t'avais choisi on était tombé sur celui-là à faire. Et du coup, après, moi en dessin, du coup, dans celui-là, on le fera après, juste après. Bon, donc, hein, c'est bien, comme ça, t'as un mois et demi. Par contre, là, moi, ça va faire pardon, ça va faire vraiment un mois tout pile. Parce que vu que c'est sur les pierres de moi, du coup, là, vous avez jusqu'au. Je crois que c'est 30, hein, le septembre. Vous avez jusque, ouais, vous avez jusqu'au 30 septembre. Merde, j'ai perdu mon marque-page. Hein. Je l'ai mis là. Je pose mes congés, ça va te faire du bien. T'en as besoin. Bah voilà. Ça va être tout bon. Je crois que j'ai même pas changé mon titre. Oh mince, j'ai même pas changé mon titre. J'ai oublié de changer mon titre. Et vous me dites rien, mes chouquis. J'ai encore le titre à vie sur les couleurs soft. Oh, mais quel cru-cruche. Oh, je suis désolée. En plus, j'étais un peu perturbée parce que mon OBS il voulait plus fonctionner. J'ai dû réinstaller, le désinstaller et le réinstaller. On aime pas. Bah ouais. Bah, du coup, vu que je fais pas de montage, je vais couper pour cette partie de défi. Et je vais relancer du coup pour le petit colo que ma petite Joa et Condine. On va finir. Oh, j'ai pas mes paillettes par contre, j'avais dit que j'allais faire des paillettes, il faut que je les retrouve. Je vais essayer de faire vite. J'ai laissé, je vais bosser mes cours. Ah bah bon cours à toi, ma rideuse. Et merci d'être passée. Mouah, plein de kissous et plein de petits cœurs à toi. Mais allez, tu peux le faire. Plus vite les cours sont faits, plus vite. Hein? Moi, je vais reprendre ma formation aussi. Moi, ça me manque quand même. Allez, tu peux le faire. Des bisous! Ouais, du coup, il faut pas que j'oublie de changer mon titre. Voilà, c'est bon pour le défi. N'hésitez pas, j'ai mon Insta, j'ai mon Didi si vous avez des questions. Et si des fois vous voulez choisir un coup, vous avez choisi un colo et que vous n'arrivez pas à vous projeter, je peux regarder avec vous et puis vous dire si j'arrive. Après, si bah, je suis franche, hein, si je dis ouais, j'arrive pas à avoir du bleu foncé dans ton colo, voilà quoi. Parce qu'il faut vraiment. Bah là c'est facile parce que bah voilà, après j'ai le modèle à côté. Ça c'est vrai que pour ces colos-là c'est pas mal. Mais déjà quand t'as une grande partie comme ça, bah c'est vrai que ça fait beau un hein, ciel étoilé. J'envoie maintenant ou après comme tu veux, si tu veux que je te réponds en live, tu peux les répondre maintenant avant que je coupe pour passer au colo.
vraiment que je commande ce livre. Tu l'as pas celui-là? Ah, moi j'ai les trois du coup, j'ai trop craqué. J'ai craqué direct pour les trois. Par contre, mon préféré, bah, c'est le solide. Je crois que c'est le dernier. Bah, comme celui-là. Celui-là, il passe aussi. Il y a plein de tons de bleu différents. Bah, il n'est pas trop dominant, mais encore dans le fond, au lieu de faire un peu un... c'est un peu, ça va, c'est quand même un peu grisé. Un gris qui tombe un peu sur le bleu. Je n'ai qu'un seul. C'est lequel que t'as déjà? Ah bah c'est celui-là comme on a. Tous les trois je crois avec Maylie. Avec les dragons, tu veux faire le double page ou vraiment que cette partie-là, on voyait Laura? Ouais, mais ils sont trop beaux ces colos. Ok, d'accord. Bah en tout cas le dragon, bah le premier, le bah vu que c'est sur le thème de l'eau, il m'inspire complètement. Tu peux faire soit tout l'eau bleu foncé et du coup un peu plus bleu clair pour le corps. Ou encore tu peux faire sur tous les tons foncés. Un peu foncé, un peu plus comme enfin, une connerie. Je sais pas, un peu comme ça. Et après pour l'eau comme ça. Par contre, je t'avoue que le deuxième... Comment ça s'appelle les femmes arbres, il a un nom. Bon, bah du coup, j'ai presque fini ma création, ma participation. Ah, t'es carrément en avance. Bah c'est cool, j'ai hâte de voir ce que tu nous as fait. Ok. Ouais, le premier il m'inspire, mais le deuxième, le roi, moi je vois plus un coucher de soleil que la nuit en fait. Ah non, en fait. Tu peux faire du coup le ciel tout nuit et les fées si t'as des crayons néons ou paillettes. Tu fais les petites fées pailletées, ouais, ça sortirait bien la nuit. Ah, si, ouais. Si, en fait, ça m'inspire, là. Ça ferait super beau. Là, je me disais, peut-être, c'est rapide, sinon. En même pas une heure, allez, au taquet. Ben voilà, malheureux. Comme ça, t'as ta réponse en direct. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. Et je vais quitter le... Parce qu'en fait, je fais pas de montage. Du coup, là, je vais couper pour ce défi-là. Parce que du coup, sur ma chaîne YouTube, il y a une catégorie défi. Du coup, elle sera dedans. Et puis après, je reviens avec vous, du coup, pour continuer le petit colo. Ouais, je vais pas oublier de changer de titre, par contre. De rien, malheureux. Hein. Bah, toutes mes chouk-chouk. Plein de bisous à vous. À tout de suite. Titi.